prêts les gars ou quoi? Non, ça va quand même être chaud là. À un moment donné, ils vont voir qu'on se fout de leur gueule, mais c'est pas grave. Allez, on voit la sauce. C'est ça le discours là, c'est cette merde. Allez, bon, on est parti. Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. De vivre avec le virus? Mais c'était pas ça la stratégie. Ben non, la stratégie, c'était... Il n'y avait pas de stratégie en fait. C'est pas grave, on n'a qu'à dire ça. Avons-nous tout bien fait? Non. On dit non, c'est bien ça. On peut toujours s'améliorer. Mais nous avons fait tout notre possible. On dirait un élève qui a eu 6 et qui vient dire bah, j'ai fait de mon mieux. Le troisième objectif. Protéger nos soignants qui, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Nous leur devons la prime qu'on leur a promise. Attendez, ça on peut pas le mettre les gars. Ben non, mais parce que ça ne nous arrange pas finalement de leur filer la prime. On peut pas remplacer ça. Si. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour lutter contre la propagation du virus. C'est mieux ça. Ça c'est bien ça. Puis ça vaut rien ça. C'est pas grave. Ça ne va pas nous coûter cher. Il n'y a pas d'économie prospère sans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher. Sans jamais perdre de vue un principe intangible, pour nous, rien n'est plus important que la défense du système néolibéral. Rien n'est plus important que c'est... Alors on va pas dire... Non, mais un truc plus simple. Mais non, mais ça va leur foutre les jetons. Bah, l'autre, il y a un piaf qui vient de se foutre la gueule dans le carreau. Mais même les piafs, ils sont malades. C'est Covid ou quoi, toi? Va te faire tester, qu'est-ce que tu fais? Alors attends, on reprend. Allez, rien n'est plus important que la vie humaine. Suivant. Nous pourrions, comme certains le préconisent, ne rien faire. Et assumer de laisser le virus circuler, c'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective. Le conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et dans quelques mois, au moins 6 millions de morts supplémentaires. C'est trop, 6 millions. Puis c'est déjà pris en plus, je crois. 6 millions, on va mettre en millions, c'est trop. On va mettre 400 000 morts. Et en quelques mois, au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Ouais, c'est bien ça. Ils avaient annoncé 500 000 sur la première, si on faisait rien, ouais. Ils avaient annoncé 80 000 aussi en Suède, je crois. Et il y en a eu 6 000, ouais, d'accord. Nous ne laisserons pas mourir des centaines de milliers de concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs. Enfin, on ne les laissera pas mourir du Covid, quoi. Non, mais ils peuvent se suicider ou mourir d'autres choses, mais on s'en fout. Ça. Le gouvernement accompagnera les très petites et petites entreprises, comme les moyennes entreprises, les artisans aussi, qui entreprennent des démarches de numérisation. Ouais, ça c'est bien la numérisation. Ben si. Ben sauf que si tu veux t'isoler, ça va pas suffire, quoi. Ben si le mec il vient pas te mettre vraiment, mais qui clique juste pour te mettre l'isolation, c'est comme la baguette numérique. C'est joli, mais ça te nourrit pas des masses, quoi. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et l'esprit citoyen de tous. Restez au maximum chez vous. Respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacun et chacune d'entre vous. Bon, alors là, ça va plaire à Françoise. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, disent les VRP des labos. Non. Disent les scientifiques. Les scientifiques, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Nous devons tenir, chacun à notre place. Ah, c'est vrai que nous, c'est un peu plus tranquille à l'Élysée. Ouais, ben, sachant qu'en plus, on a fait appel à des artisans qui n'ont pas fait trop de numérisation, donc ils sont venus faire les travaux. Et c'est vrai que là, c'est confortable.
Ah, on est pas mal. Ben, entre le jacuzzi, la piscine et le nouveau bureau que j'ai refait, on est bien. Nous devons tenir dans la transparence, le débat, notre détermination à appliquer les règles que nous nous fixons, en nous serrant les coudes. Ouais, faire attention de ne pas tousser dedans quand même, sinon c'est... Voilà, ça va, les gars.